Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 15 de Super Mario Odyssey. Bon, vous le voyez, j'ai 50 lunes en stock. En fait, j'ai presque fini toutes les lunes qu'il me fallait. Je pense qu'il m'en faut 52 en tout. 51. Non, il me manque. La 26, c'est juste le type sur un banc. J'arrive toujours pas à le faire, à faire qu'il réagit. 39 et 40, c'est une zone où j'ai besoin d'un costume particulier, donc j'attendrai d'avoir les 100 pièces locales pour le faire. Comme ça, je récupère tous les 100 pièces locales et ainsi ça me permet d'acheter tout ce qu'il faut en un coup. Ça optimise un peu mon temps. Et ici, on a 49 et 50, donc je vais arriver à 52 normalement. Ça, c'est une sous-zone que je n'ai pas encore faite. Et normalement, c'est tout. Il y aura aussi la 53, mais ça, c'est l'art indice. Donc il faudra que j'aille au pays du lac pour la trouver. Et après, ce sera la fin du pays des gratte-ciels. Évidemment, je dis après, ça veut dire que je vais quand même devoir trouver encore 29 pièces locales. Mais comme il me reste une sous-zone, ça veut dire qu'il y a probablement des pièces locales dedans. Alors normalement c'est dans un bâtiment comme ça, un peu sur le coin. Mais je ne sais pas exactement lequel. Non, pas là. Par là peut-être. Donc c'est une sous-zone, c'est avec le dino. C'est un des trucs les plus random de l'univers. Genre vraiment complètement random. Genre Odyssey adore les trucs complètement random qui sortent de nulle part. Et souvent ces trucs complètement random que sont de nulle part sont des freaking dinosaures. Voilà. Alors il y a deux lunes ici et il y a des pièces locales et aussi voilà, les pièces locales sont là donc ouah, je suis tombé parce que je veux les pièces locales. Donc maintenant que je sais où elles sont, je vais me mettre plus à droite. Le problème c'est que je sais qu'il y avait un petit glitch, un moyen de semer une dino, mais je sais plus comment. Non mais je m'en fous, donne-moi les pièces locales. Alors est-ce que je peux y arriver sans pièces locales, sans le scooter? Non d'accord, je peux pas y arriver. D'accord, j'ai compris. Bon donc voilà, dino, hein, complètement con, mais bon. Enfin c'est pas con, c'est juste. Ok, qu'est-ce qu'il fout là, mais à la limite c'est Mario Odyssey, donc je sais pas pourquoi on demande. Genre si je vais tout droit, il me rattrape, si je vais pas tout droit, il me rattrape aussi. Ah ah, voilà. Alors je sais pas si c'est les seules pièces locales de la saison ou pas. Je sais qu'il y a un moment où il va avoir des caisses et il faut sauter dessus pour... Ah, ben voilà, encore d'autres. Il faut sauter dessus pour avoir une lune. Ah voilà. Elle est là, parfait. Donc ça c'est la première lune de la sous-zone. Et il y en a une à la fin, donc j'espère juste qu'il n'y a plus de pièces locales. Non, ça allait aller. Parfait. Ok. J'avais peur que ça me prenne un peu trop de temps. Ça c'est fait, donc maintenant il me reste le fameux type sur un banc. Je sais plus exactement où il est, mais je vais le trouver. Parce que il m'énerve. Je vais dire, donne-moi ma lune, je m'assieds à côté de toi, je suis sympa. Alors. Okay. Bon, je suis à 77 en termes de pièces locales, ça va encore. Alors. Il est là. Bonjour! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne te sens pas bien? Regarde, ouais, bon, ok, d'accord. Ah, voilà. En même temps, le type là, à côté, il a dit bonjour à Mario. Le type sur le banc, il s'en fout. Ouais! Il m'a même pas regardé. Mais il sait que je suis une personne. C'est peut-être justement un commentaire critique sur la société. Bref, ça c'est fait. Maintenant, ça va être la quête des pièces locales. Donc, normalement, je vais faire un peu de montage, etc. Pour juste à chaque fois couper au moment où je récupère les pièces. Pour pas que ça prenne non plus 25 minutes. Et de toute façon, j'aurai pas de grand chose d'intéressant à dire. Donc, je vais partir à la recherche dès maintenant.
Aha! Yo, vous deux! Non, Mario, Mario! Ok, d'accord, j'ai eu peur de tomber n'importe comment, ça aurait été très décevant. Aha! Parfait! Ah! Hello! Celui-là, il est fourbe quand même. Hein? Ah non, je les ai pas eu celle-là. Ding ding ding, parfait. Ok, 95, on y est presque. Ah, 2 de plus, plus que 3. J'ai aucune idée d'où elle pourrait être. Aha! Hello, vous trois. Parfait. Ça, c'est très très bien. C'est magnifique même. Donc, je vais pouvoir aller au magasin Crazy Cap. Je vais repartir là-bas, ce sera plus rapide. Je vais pouvoir acheter tout ce qu'il faut, les costumes, etc. Et après, je pourrais m'en aller. Alors voilà, sur mon enregistrement, il est 19 minutes 33, mais évidemment, ce ne sera pas le cas. Pour vous, normalement, il y aura du montage, ça ira beaucoup beaucoup plus vite. Je me suis un peu perdu à un moment. Donc, bonjour. Casque de chantier, je le mets. Oui, donc c'est ce costume-là qu'il faut, c'est le casque de chantier, la tenue chantier. En fait, c'est le Mario de Super Mario Maker. Voilà, et ça, c'est la tenue de genre le golf, le jeu de golf qu'il y avait sur la NES ou un truc ainsi. La tenue golf, c'est absolument dégueulasse. Mais c'est fait pour. C'est un habit qui est fait, qui est exubérant, mais volontairement. Et je vais avoir un sticker de Pauline et une statue de Pauline dans l'Odyssée. Et après, on se demande si Peach aura pas des doutes. Mais bon, peu importe. Allez, jouons à Super Mario Odyssey Maker. Ah, un éditeur de niveau pour Super Mario Odyssey, ce serait magnifique. Je veux dire, s'ils ajoutent un éditeur de niveau à Mario Odyssey, Mario Odyssey devient officiellement le meilleur jeu Mario de l'univers. Je veux dire, c'est obligatoire. Enfin bref. Ça me semble un peu compliqué quand même. Hein. Un éditeur de niveau Mario Odyssey, mais bon. Alors normalement c'est par ici que il faut. Voilà. Il a le casque jaune pour. Oui, s'il te plaît, si tu pourrais éviter de t'asseoir sur une chaise en plein milieu de mon chemin, ça serait bien. Voilà, nos tenues et tout ce qu'il y a plus réglementaire. Bah ouais, encore heureux. Tu me prends pour qui? Oh, je suis le joueur, j'ai donc tous les droits. Alors il y a des fuzzies sur la ligne. Donc faut les éviter, voilà, pas comme ça. Donc je vais probablement mourir très bientôt. Mais ce n'est pas grave. Je veux dire, ça sera une bonne occasion de vous montrer pourquoi il faut faire gaffe aux fusils. Hop! Ok, d'accord, c'est juste des pièces. Je viens de me faire jetbaiter de la main. Allez. Dégage toi. Donc évidemment, comme d'habitude, il y a deux lunes. Je sais pas comment on est censé avoir ces pièces, mais c'est pas grave. Ça ne m'intéresse pas. Ce sont juste des pièces, moi ce sont les lunes que je veux. Non. Non, s'il vous plaît, je peux sortir ici parce que ça me semble trop beau pour être... Voilà, c'est bien ce que je pensais, c'est genre... Oh, tu passes au-dessus de ce bâtiment, il n'y a rien. Je ne vois pas de quoi tu veux dire. Dans la caisse sur le toit. Sur le toit. Sur le toit. Et ce qui me donne... Redonne tous mes PV. C'est pas plus mal. Alors, par là... Ah, bah par là, c'est génial. Ok, d'accord.
Ils arrivent, non. Oh. Ok. Tada. Bon, en fait, ça va. Si, une fois qu'on peut s'arrêter, c'est plus évident. Aïe, j'ai été trop rapide. Voilà. Voilà. Et donc je suis à 52 et je pense que c'est tout ce que je peux faire. Si vous regardez mon nombre de lunes, là je suis à 55. Je dois avouer que j'ai une multilune, donc ça en ajoute 2. Parce qu'une multilune c'est 3, donc je veux dire, ça en ajoute 2. Et du coup, je suis un peu confus là. 52. Ok, c'est pas grave. Vous savez quoi? J'ai une lune en plus, tant mieux, hein. Je vais pas aller me plaindre. Et je vais pouvoir retourner à l'Odyssée. Et avant de passer au pays suivant, je vais quand même vite fait repasser vers le pays des chutes pour avoir le touriste. Et par le pays du lac pour avoir le Lint Art, justement du pays gratte-ciel. Mais avant, regardons un peu le sticker, il est là. Ludong City. Voilà. Et dans l'Odyssée, voyons un peu ce qu'il y a de nouveau. Donc normalement, il y a l'hôtel de ville, il y a Pauline. Donc, Pauline est là. Ah, tiens. Pouf. Et ça, c'est l'hôtel de ville de Ludong City. Il est tellement grand que je peux même pas sauter dessus. Ah si, quand même un peu. Ah, voilà. Bon, et ben ça commence à se remplir quand même tout ça. Hein. Et c'est pas encore fini. Mais sur ce, on va pouvoir donner à l'Odyssée 55 lunes qui va se régaler, j'en suis sûr. ...255 2 exposants 8 moins 1. Le nombre maximum de beaucoup de trucs en 8 bits, puisque si les nombres sont codés en 8 bits, bah 255 c'est le maximum. Enfin, et si c'est 8 bits signés, techniquement 627 le maximum. Ah, cette fois il va falloir aller au pifomètre, tu crois que c'est la partie où pays des neiges? Non, en fait, le pays... les niveaux d'eau, ça me fait chier en général. Donc je prends toujours les niveaux pas d'eau en premier. Et en fait, j'ai fait ça la première fois, donc je suis toujours le même chemin. Mais pas tout de suite, d'abord, pays du lac. Je vais aller chercher mon Int Art. Et après, pays des chutes. Et après seulement, on pourra aller au pays des neiges. Ouais, génial le festival. Non, plongeons. Je veux dire, j'ai déjà complété à 100% la moitié de ton jeu. Donc, c'était bizarre dit comme ça. Mais je veux dire, j'ai déjà fait tout ce que je pouvais presque actuellement. Au point où j'en suis, donc... Fais pas comme si j'avais jamais joué à ce jeu. Je vais aller sur la terrasse, parce que comme ça je peux aller plus vite sur le dessus. Parce que c'est sur le dessus, je pense. Ah, et je suis toujours en constructeur, ça c'est bien. Ça c'était pas prévu. Bon, c'est pas grave, je reviendrai Mario à la fin. Ouais, en fait, je sais plus si c'est ici en bas ou pas. Il faut faire une attaque rodéo. Mais... Alors, quelque part par ici. Ah, mais j'ai qu'à regarder le Int Art, évidemment. Et non, c'est le mauvais bouton. Je viens de faire une capture d'écran, c'est pas grave. Alors, voilà. Ça, on s'en fout. Int Art, il est où? Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Ok. Bon. Ah ah, elle est là. Tadam ! Avec l'indice du pays des gratte-ciels. Merveilleux, retour à l'Odyssée ici. Voilà, parce que évidemment le jeu est en mode Gigné va au pays des neiges. Parce qu'il veut absolument que j'aille au pays des neiges, mais moi je n'y vais pas. Bon, avant de revenir
de partir. Il faudra bien te couvrir. Dehors, tu dois avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Non, pas du tout. Mario, voilà. Je vais aller dans un autre pays et je vais encore reculer. Pays des chutes. Arrête avec le plongeon spécial. T'as envie de me noyer ou quoi là, Capi? Je commence à m'inquiéter un peu là. Bon, il faut retrouver le touriste, mais normalement il est pas loin. Bah oui, il est là en fait. Bonjour. Ah, de la bonne musique. C'est rare, mon Dieu. Bref. Ouais, le type du taxi. Oui, le type du taxi. Enfin, Zebedo, lui, en fait. Moi, je prends le taxi, juste. Si dit si, fil, fil, dit Z avec tous ses F, alors taxi dit taxi, hein. C'est vrai. Hop. Un oui tout sec au pays des chutes. Pour ma prochaine destination, j'ai envie d'un con où on peut manger bien et en quantité. Tu sais où trouver ça? Je sais exactement où vous conduire, mais avant, je suis curieux de voir un peu plus près la flotte environnante. Genre, vous imaginez, vous prenez un taxi, je vais ok, au cinéma, et votre taximan il est en... Ouais non, j'ai envie de visiter la ville avant, je peux, genre... C'est pas chier, je te... Hein? Ouais, 256, c'est une puissance de 2, c'est bien la puissance de 2. Et c'est la dernière puissance de 2 qu'on va atteindre avec les... L'avant-dernière puissance de 2 qu'on va atteindre avec le nombre de lunes. Donc, oui, parce que après c'est 512, et après c'est 1024, mais 1024 c'est pas possible. Parce que c'est capé à 999. Et il n'y a que 880 lunes dans le jeu si vous n'en achetez pas les doublons au magasin après avoir battu le jeu, mais pas. Bon, allez, allons-y au Pays des Neiges. Je sais pas du tout combien de temps ça va prendre, c'est ça le problème. Je sais pas si je passe ou pas. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Je pense pas, hein, mais... On sait jamais. Mario. Oui bon, on passe, allez, c'est bon. Oui, un peu de rupture de la roue. Oui, je sais, j'ai déjà fait plein de fois. Rolling around at the speed of sound. Got places to go, gotta follow my rainbow. I have to keep moving on. Bienvenue à Flocon en Flonflonnie. Flonflonnie. Il y a une tempête pour l'instant. On dirait Paris il y a pas longtemps. Et le cadeau empoisonné des Blourdons! Et voilà. Et c'est pas très agréable cet endroit. Mais c'est encore les Blourdons qui font n'importe quoi. Donc, on va aller. Oui, ça caille. Oui, bah, je sais, merci Capi. Merci de me dire tout. Donc, classique de Mario, l'eau gelée. C'est-à-dire, n'espérez pas pouvoir rester longtemps dedans. L'eau gelée dans Super Mario 64, c'était encore pire, entre guillemets. C'était encore plus une trahison, parce que dans Super Mario 64, l'eau, elle vous rendait tous vos PV. Mais l'eau gelée, non, elle vous en faisait pire. Et on peut atteindre cet endroit sous la neige pour arriver vraiment à Flocon, Flonflonnie en elle-même. Et hop! Cette musique, elle est bien aussi. Bon! Non, je ne m'en vais pas, hein, je vais juste rattraper. Donc, il y a que 50... 50 pièces locales ici et des lunes, il y en a 37, donc c'est un plus petit pays, mais il est quand même, il y a quand même des trucs à faire. Et il y a l'entrée de Flocon en Flonflonnie qui est là, qui nous attend. Et je sais plus c'est qui, est-ce, non, c'est, est-ce, je, est-ce que c'est lui? Non, je sais qu'il y a quelqu'un quelque part qui est en mode, ouais, les vrais ils portent pas de vêtements ou un truc ainsi. Et donc il faut prendre juste le caleçon et acheter le caleçon pour avoir une lune. Bonjour, Fallu aussi. Oui, je veux bien la lune. Merci. Voilà, bon, ça c'est classique. Donc il faut 10 lunes pour repartir. Et pour faire le World Peace, donc pour atteindre tous les objectifs, il faut battre les Broodles et aussi, je pense, avoir la course. Donc... Voilà ce qui se passe. Flon, ceci fut monstre, Beaufort a volé le défilé de neuve que le vainqueur de la course devait recevoir comme prix. En plus, il a fait une entrée qui mène au circuit. Flon, il va falloir trouver des lunes pour l'ouvrir. Évidemment, hein, les lunes, c'est le MacGuffin magnifique qui va permettre d'ouvrir. Donc en fait, il y a 4
4 barrières, il faut à chaque fois trouver les lunes pour s'en sortir, et il y a 4 petits passages, donc voilà, c'est le monde est bien fait, n'est-ce pas? Mais je vais pas y aller tout de suite, parce que d'abord, je veux aller en haut. Je veux atteindre un certain endroit. Ah voilà, c'est... Non! Non Mario, fais pas n'importe quoi et rebondis sur ta casquette. Il va pas avoir mal Capi, sinon il se serait déjà plein. Okay. Et Capi il la ferme jamais, donc c'est même pas dire qu'il... Tu n'avances pas du tout, Cannabis. J'ai l'impression d'être dans cette situation-là. Bon, c'est par où qu'on monte? Parce que normalement on monte, ok. On peut monter quelque part. On peut monter par... à un certain endroit. C'est par ici? Oui, c'est par ici! Parfait. Bon, donc ici, il faut un costume, évidemment, comme d'habitude. On ne rentre pas, il fuit comme ça, il faut s'équiper contre le froid avec un capuchon des boulons. Voilà. Il faut s'équiper contre le froid. Donc, c'est un costume, c'est classique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'endroit par là, parce qu'il y a une lune cachée sous la neige, et puis il y a une autre lune encore plus loin. Donc... Ah, elle est là. Ta-da-da-da-da-da-da. Scintillant dans la neige du bourg. Tout à fait. Voilà. Donc en fait, si vous passez là, vous arrivez ici. Et c'est ici que j'ai essayé d'arriver, en fait, avec le pont. Bon. Pour mieux utiliser le truc comme il faut. Et voilà. Trésor de Flocon en Flofomi. J'ai donc... Je fais ce que je me rappelle, en fait. Hein. Parce qu'il n'y a pas de... tellement de lunes possibles ici à l'intérieur, parce qu'il y en a à l'extérieur, hein, qu'il n'y aura plus de blizzard après, mais donc autant le faire le plus maintenant. Et regardez, ce sont des iris ou des spiny, comme vous voulez, en anglais c'est spiny, en français c'est iris. Et évidemment, comme d'habitude, ils ne peuvent absolument rien leur faire. Et aussi, il y a une lune ici. Voilà. Donc normalement il faut capturer ces ennemis là qui s'appellent je vais me le dire. Un bouche, voilà, c'est un bouche comme George W. Bush. Et il faut pousser ce truc là, mais en fait en étant bon au jeu, ça. Oh. Bonjour, voilà. Donc ici il y a une autre lune, mais ça c'est la lune qui est obligatoire pour passer. En fait, il faut juste balancer tous les spinnies dans l'eau. Enfin, tous les iris. Voilà. Mais moi, cette lune, elle m'intéresse, mais pas pour tout de suite, parce que avant. Je vais aller chercher ces trois trucs là. Ding ding ding, voilà. Je pense qu'il y en a. J'allais dire, je pense qu'il y a que ces trois là ici, ben non, bonjour. Comment ça va? Plus vite je les vois, mieux c'est. Ah ah! Il y a un truc là. Est-ce que c'est une lune? Je ne me rappelle plus. Non. D'accord. Je vais reprendre le bouche ici et je vais aller à la fin. Il n'y a pas moyen d'accélérer parce que t'es un peu lent, mon gars. Barrière des bourrasques. L'énergie des lunes de puissance permet d'ouvrir la barrière, tout à fait. C'est pour ça que je vais continuer à en récolter. Ouh, il fait clair par ici. Est-ce que ça veut dire qu'on va à l'extérieur? Ouais, on va à l'extérieur. Ils ont pensé à ça, c'est quand même magnifique. Ah oui, ici, il va y avoir des rafales de vent, donc hop, utile pour s'envoyer en l'air. Voilà, c'est ça. Wink, wink. Donc, évidemment, je suis un peu parano parce que je pense qu'il y a des trucs qui... Il y a au moins une fois où il y a quelque chose qui va essayer de se cacher sous la neige, hein, sinon c'est pas marrant. Wouhou ! Ah ah ! J'ai détecté que ça... Le mur avait un...
avait une tronche bizarre et c'est parce que c'était juste de la neige. Et je me disais bien aussi que ce trou n'était pas anodin. Voilà, je commence à être bon au jeu Mario, hein. Ce serait bien quand même, c'est le seul jeu où je suis pas n'importe quoi. Ok, c'est pas très convaincant quand je dis que je suis à peu près bon au jeu Mario et puis que ça se passe, mais croyez-moi, point d'interrogation. J'ai réussi la corde à sauter, est-ce que ça prouve? Est-ce que c'est suffisant? Bon, en tout cas, si vous avez tendu un peu l'oreille, et si mon son n'est pas dégueulasse, ce qui a peu de chance d'arriver, les bourdons sont là! Et on les a déjà battus tous les quatre, et donc on va les rebattre tous les quatre dans l'ordre inverse. Donc, Django d'abord. Le délice de neige est à nous. Le patron est content. Et question gâteau, il est pourtant pas facile. Faut dire qu'on lui a goûté le top du top et que j'ai sûrement pas la même voix que la dernière fois si j'avais déjà une voix. Enfin bref, Rango, le rematch. Alors évidemment c'est un peu plus compliqué parce qu'il lance plusieurs chapeaux en même temps. Je sais pas d'où il sort, mais il lance plusieurs chapeaux en même temps et le sol est gelé, donc forcément c'est plus compliqué. Encore une fois, si vous arrivez à lui sauter dessus, il arrête son truc, mais j'ai pas envie de même tenter parce que il est pas très très menaçant comme ça. Ah ah, t'as cru m'avoir, hein. Voilà. Je tourne en rond, je suis un homme sans ambition, belle voiture, belle maison. Dans la chambre, dans le salon, je tourne en rond, je tourne en rond. Ouais. Et voilà, donc les boudoles sont déjà partis, mais c'est pas suffisant. Il faut ramener toute l'énergie pour ouvrir les barrières et après gagner la course. Deux sur trois. Il y a quatre barrières en cours. Bravo, j'avais quatre biscuits et j'en ai mangé trois, alors il m'en reste un. Est-ce qu'on est encore en extérieur par ici? Ouais. Bon, même s'il fait froid, mais... C'est la crevasse mordante. Attention, pas aux morts. Hello, non, tu n'y arriveras pas. Venez par ici, les gars, j'ai besoin de vous. Merci. Donc voilà, faut faire gaffe à ses ennemis parce que c'est des plateformes, mais à des plateformes avec des dents, donc... C'est jamais rassurant. Plutôt là, j'ai failli tomber. Bon, sinon, les morceaux de lune sont pas très très cachés, hein. Le but, c'est pas non plus que vous passiez 40 ans à les chercher. Hop, hop. Non. Bon, ok, merci pour l'ascenseur, c'est sympa. Ok, d'accord, Je voulais voir, parce que j'avais vu qu'il y avait des pièces locales quelque part. Elles sont ici. Voilà. Non, juste à côté, s'il te plaît. Merci. Hop. Et évidemment, ce n'est pas tout. Il y a une crevasse ici que Mario peut escalader, entre guillemets. Enfin, il peut faire ce qu'il vient de faire. Et ça nous donne le coffre au trésor du mur de glace. Hop, et la troisième barrière a été descendue et j'ai les 10 lunes, donc je pourrais m'en aller si je veux. Mais je ne vais pas le faire, évidemment. Plus qu'une seule barrière. En effet, Capi, tu as raison. Cette fois-ci, on redescend dans les sous-sols. Dans la grotte stalactite. Hello, bonjour. Bon, je récupère déjà les Goombas parce que je sais pertinemment bien qu'il va y avoir un truc, qu'il y a des lunes, enfin, qu'il y a au moins une lune accessible grâce aux Goombas.
Voilà. Voilà. Évidemment, il y a un 4, donc ça veut dire qu'il faut 4 Goombas. Je veux dire, je pense que tout le monde avait compris, mais je le dis, on ne sait jamais. À la fraîche, les uns sur les autres. Ok, d'accord. Je veux dire, même sorti de son contexte, même dans son contexte, ça n'a pas vraiment de sens, mais peu importe. Alors ici, je pourrais passer, hein, et directement, mais je pense qu'il y a encore une lune accessible là au-dessus, donc c'est pour ça que je vais quand même faire le chemin et que je garde les Goombas aussi. Bonjour. Ah, bon bah déjà il y a des pièces locales accessibles grâce au Goomba, donc c'est déjà ça. Ping, ping, ping. Voilà, 26 sur 50, donc déjà plus de la moitié. Alors, est-ce qu'il y a... Ah. Bon, en fait, ça n'a pas d'intérêt avec Goomba non plus, c'est plus du saut mural. Et voilà, c'est pas grave. Voilà. Il n'y a rien d'autre. Il n'y en avait pas en fait. Ah, c'est la déception. Bon ben en fait, voilà, donc normalement il faut enfoncer les pylônes pour faire tomber la grande stalactite. Le grand stalactite. Un stalactite. Le grand stalactite. Mais on peut passer comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et donc, la barrière s'ouvre. Enfin, la dernière barrière sous, devrais-je dire. Et la réouverture du Grand Prix Flonflon. Yeah, génial. Bref. Mais je vais arrêter l'épisode ici parce que il est probablement déjà assez long. Je sais pas trop combien de temps ça a pris, mais on verra. En tout cas, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié, que ce soit le cas ou pas. Je vous encourage à mettre un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Et quant à moi, je vous retrouve dans l'épisode 16 de Super Mario Odyssey.